groupe de 4 personnes qui se sont engagées pour faire un service civique sur une durée de 9 mois à Saint-Nazaire. Le service civique consiste à participer à des missions de volontariat. Nous sommes actuellement en maison de quartier à Valix sur un projet photo-vidéo avec vous, donc les habitants de Gaza, sur toute la vie. On intervient aussi dans les écoles sur les temps du midi, le jeudi et le vendredi, pour faire de l'animation avec les enfants. Nous sommes impatients de prendre contact avec vous afin de commencer notre projet en commun. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Francisco Javier Montiel. J'habite à Saint-Nazaire, mais je suis d'origine espagnole. Et j'aime des sports et le cinéma. Et j'ai choisi ce projet parce que je crois que c'est intéressant pour moi et parce que je vais connaître l'avantage d'autres pays, d'autres cultures. Et en fait, c'est une opportunité pour moi pour apprendre parfaitement la langue française. Bonjour, je m'appelle Oana, j'ai 20 ans, j'habite à Pornichet. Donc mes centres d'intérêt sont le sport, donc je fais du roller, je cours et j'aime aussi la musique. J'ai choisi ce projet, un projet artistique pour pouvoir m'exprimer et aussi pour pouvoir découvrir d'autres cultures. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'habite à Saint-Nazaire, j'ai 23 ans. Mes centres d'intérêt, j'aime le cinéma, le sport, voir mes amis et ma famille et écouter de la musique. Je suis ici pour travailler à la maison d'Avalix pour échanger nos cultures différentes. J'aime beaucoup les vidéos, j'aimerais travailler là-dessus pour échanger encore plus avec vous. Bonjour, je m'appelle Luana, j'ai 21 ans, j'habite à Saint-Nazaire dans l'ouest de la France. Dans la vie, je suis beaucoup avec mes amis, je fais du sport et j'écoute beaucoup de musique. J'ai choisi de faire ce projet avec vous pour pouvoir échanger nos différentes cultures et surtout en apprendre davantage sur Gaza et la Palestine et pouvoir faire un projet tous ensemble, un projet commun.